aussi peut aller tutoyer le sommet, à condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie, et pour l'instant il est en train de le faire. Wow. Il flirte avec les limites, il est là, il est mis à présent de ce côté à droite. Oui. C'est fait. Dans de bonnes dispositions actuellement sur cette première partie avec l'entrevue Goulet. Va-t-il pouvoir surgir comme il le souhaite? Non, il vient de se faire surprendre. Il reste coincé littéralement. Ça va être compliqué pour lui. Non. Valentin Barbier donc. Avec une option. C'est à l'attaque qui est déjà ratifié peut-être du premier marque assez intéressante en tout cas. Grosse attaque de la part de Luc Mouedé qui va dépasser les 180 mètres dans quelques instants en tout cas qui s'attaque au deuxième.
avec l'énorme saut sur les 150 mètres. Il va essayer d'aller chercher la trace de Nick Mullenix. Qui... Là où aura lieu la finale de ce championnat de France de l'Ultra Impossible au mois d'octobre. Qui est à l'attaque, le 200 numéro 21 en tout cas qui va très rapidement sur... de Guillaume Frick actuellement et qui se hisse actuellement sur le bord droit de cette montée et qui Julien Saporitis de la Bresse, le dessin numéro 9 donc, qui est actuellement en train de se lancer et qui lui aussi peut aller tutoyer le sommet à condition bien sûr de canaliser un petit peu son énergie et pour l'instant il est en train de le faire. Oh, c'est la vitesse pour Lucia qui fait la différence. Il flirte avec les limites, il est là, il est mis à présent du côté à droite. C'était... Thank you.
Allez, Daniel. Il est passé sa marque, c'est fait. Il est là, il est bien dans le tête bleue, peut-être pour aller chercher le meilleur principal. Allez. Le premier moteur sur les trois diamètres, il prend complètement. Et le coup, c'est 39 km/h. Il n'a que le deuxième temps, mais regardez, c'est hyper efficace en tout cas pour l'instant. Il va très très vite du côté gauche, il reste. Aïe aïe aïe! Le dossier numéro 93 sous la machine, tout simplement. Voilà, non, il va pouvoir, semble-t-il, se sortir par ses propres moyens. 10e place, la performance qui va lui permettre de rentrer dans le top 3. Il est bien parti avec une option complètement à gauche. Il faut le plus se passer dans la vitesse et à la ligne, il est encouragé. En tout cas, c'est parfait, ça part très très loin, mesdames et messieurs, on n'est peut-être pas là du sommet. Allez, c'était pas loin, il a la rage. Mais c'est peut-être le meilleur performeur de la journée pour le moment. On va en avoir le cœur net d'ici quelques instants. Le représentant de l'Ouest. Qui est prise également du côté de Jules Lapierre qui n'hésite pas avec peut-être un petit peu moins de vitesse. Il est tout aussi efficace. Regardez, il est en train de se déclencher littéralement. Aïe, il est obligé de changer de trajectoire. Quel dommage! En tout cas, c'est bien parti pour Loïc qui ne lâche, qui est en train de tout lâcher, mesdames et messieurs. Le sociétaire de l'Aveyron qui est en train d'aller chercher des mètres supplémentaires. Ouais, le Rosmo Chinato qui a décidé de récidiver, semble-t-il, dans ses belles performances.
tente de prendre complètement à gauche, qui essaye de trouver la bonne solution. Aïe aïe. La machine malheureusement qui est hors de contrôle, qui continue sa descente assez impressionnante. Il n'ira pas plus loin. Ah, quel dommage. Quel dommage. Dégoûté un peu aussi. Il est d'ores et déjà. Il marque qui a été dépassé pour pilote. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, la machine qui tombe. Oh. Les 80 premiers mètres de cette quatrième et dernière manche du championnat de France, et qui s'est employé comme il pouvait et qui là aussi a fait une chute. Garnier qui vient de se lancer le 200 numéro 21, actuellement 35e avec 175 mètres, qui essaie de se sortir du boulet principal. Pour lui, avec une option complètement à non, il y a un souci là aussi. Ici, avec une trajectoire un petit peu différente pour essayer de sortir avec la vitesse sur le quart-plein principal. Il reprend sur le centre pour aller chercher maintenant le côté droit de cette montée de l'arête. Ouais, pas mal. Oups, avec un petit coup de raquette et Tony Laporte qui a parfaitement géré le coup. Qui a réussi à compenser, malheureusement il a dû sacrifier sa vitesse pour pouvoir se reprendre et surtout ne pas chuter. Tony Laporte donc qui choisit une petite. Qui est à l'attaque, qui tente une nouvelle fois l'option à gauche, qui arrive à se sortir à des 150 mètres, le premier piège, le deuxième est passé également. Il y a un petit Antonia qui est en aïe aïe aïe. Avec une option à droite, à gauche pardon, et en petit au centre, il revient sur cette partie droite de la montée de l'arête, et avec une vitesse suffisante semble-t-il. Dans un style trial. Il s'est fait piéger à la sortie du boulet, mais attention, c'est sans compter sur son expérience incroyable. Le multiple champion de France, regardez, qui a petit à petit grimpé les étapes, passé étage par étage. Va-t-il tenter le mur final sans vitesse? En tout cas, il s'y emploie, il se met dans l'axe, il se met complètement de biais pour essayer d'aller chercher cette place supplémentaire. Peut-être rentrer sur la boîte dans le top 3, en tout cas, mesdames et messieurs, il est là, regardez, avec toute la puissance de sa machine, il va déposer, semble-t-il, dans le dernier mur, sa moto SFS, Stéphane Pirel. Incroyable.
continue. Alors, 450. Il continue. Il est là. Il poursuit. Il reste à la limite. Il se bat comme un lion. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas plus loin. Attention à la machine. Meilleur performeur sur les 80 premiers mètres, 50 km/h de moyenne. L'attaque de Gilbert Ferrat qui est dans le bon passage, en tout cas, il est dans les bonnes conditions, mesdames et messieurs, pour aller chercher le top 3 et peut-être le sommet. Pas de changement, 212. Il reste à la 4. Il en reste. Il est là. Non, ça ne passera pas. Vous l'avez vu, la machine, c'est l'embrayage, et donc il prend. Non, c'est pas l'embrayage, c'est le moteur qui a cassé. Et vous avez vu tout de suite la solidarité avec Hugo Guimard qui s'est proposé pour faire en sorte que la machine soit présente au départ et donner la chance à Jonathan Decker peut-être d'aller franchir le sommet sur une machine qui peut lui convenir en tout cas. Qui lui donne alors, mesdames et messieurs, des encouragements s'il vous plaît pour celui qui est du motoclub d'Arrête, Jonathan Lequel. On ne vous entend pas s'il vous plaît. Allez, plus fort encore, Jonathan Lequel, le dernier peut-être à aller chercher la victoire ici. Arrête. Allez, allez, mesdames et messieurs. Les dernières recommandations du haut, c'est tout simplement tu peux y aller. Attention à ne pas voler. Incroyable. Mesdames et messieurs, Jonathan Decker qui joue le fond à tout actuellement. Lui qui est à la 5ème position. De moyenne, qui est là, bien placé, qui va essayer de se positionner, qui fait le maximum en tout cas, qui est là, la machine du Bolivar qui tient bon pour le moment, aïe aïe aïe, ça n'ira pas plus loin. Et la teneur d'applaudissements s'il vous plaît pour le podium. Et les applaudissements donc s'il vous plaît pour la catégorie du professionnel. Retournez. Merci à vous, mesdames et messieurs, Vincent Bougenot. Ça veut dire que l'expérience a triomphé aujourd'hui parce que deux pilotes expérimentés face à un jeune loup qui est certes champion de France déjà, mais qui a du mal à aller chercher cette victoire. Alors, les différents trophées offerts par la mairie du motoclub d'Arrête, le petit cru local, encore une fois à consommer avec modération, mais si vous aimez, n'hésitez pas à en reprendre plusieurs fois dans les différentes boutiques de la région. Un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de ce podium du championnat de France, et avant de vous libérer...